suis Alice Horowitz, cardiologue. On a fait un travail sur tout ce qui était évaluation des capacités et des performances donc cardiovasculaires, des gens qui font de la course au large. Et l'ALOC est très novateur et je pense très scientifique dans l'âme, a de suite dit oui. On a mis notre Spider Flash qui est parti faire la route du Rhum une heure avant le départ. La Lou, il a gardé 3 jours et demi. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'en termes de fréquence cardiaque, c'est complètement l'opposé, on va dire, de quelqu'un qui va faire un marathon. Mais on a un exercice qui est constant. C'est des gens qui ont des fréquences cardiaques très lentes au départ. La Lou aussi, d'ailleurs. Donc, c'est souvent ce qu'on appelle le cœur du sportif. Hein. Et en fait, quelqu'un qui va faire un marathon va augmenter petit à petit sa fréquence cardiaque et quand même le but c'est donc qu'il puisse courir avec une fréquence cardiaque pas trop haute et c'est ça qui va tenir dans la distance. La Lou, lui, quand on regarde en termes de fréquence cardiaque, il part au début de la course et en fait la fréquence cardiaque, elle monte d'un coup. C'est-à-dire qu'il va passer, on va dire, 65 et claque 160 et pendant 24-72 heures, il va rester de 160 à 140-130 avec un aspect en dents de peigne où ça part et proche de ce qu'on appelle la fréquence maximale théorique et ce qui fait que c'est un sport de l'extrême. Les doigts un peu en griffe, tu vois, comme ça. Et après, je vais là et. On compte le temps à la jour de minuit. Je suis Julien Quesnois et je suis sophrologue. Il y a à peu près un an, la Lou m'a demandé de l'accompagner avec la sophrologie dans sa préparation mentale en vue de la route du Rhum de 2018. La sophrologie, c'est une discipline psychocorporelle qui va donc permettre d'accompagner des personnes, un sportif en l'occurrence, pour une meilleure gestion du stress, être plus performant, par exemple dans le domaine de la concentration, des choses comme ça, avec notamment la gestion du sommeil. Je m'adapte en fait à la Lou, à son évolution, parce que l'échéance approche et donc je fais un travail depuis à peu près un an avec la Lou. En effet, tout ce qui est sophrologie, gestion des émotions, gestion du sommeil, ça honnêtement, je pense que c'est quelque chose qui va être de plus en plus important, avec ce qu'on appelle les portes d'entrée du sommeil, comme c'est un sommeil polyphasique, en fait ça c'est comme le sommeil du nourrisson, d'accord? Et en fait, c'est-à-dire que quand il a quelques instants où il peut récupérer, c'est ça qui va tenir dans le temps. C'est comme les gamins qui prennent les doudous, la tétine, hop, ils ont ça, et sur un rituel, et ça joue énormément, hop, on va rentrer dans une phase de sommeil. On peut travailler sur des visualisations à bord du bateau, des moments justement où la Lou ressent du plaisir sur le bateau, des moments où il est en pleine confiance sur le bateau. L'idée, c'est toujours d'aller vers une dynamisation du positif et tout ça donc dans le but de toujours aller vers la performance. J'ai navigué quelques fois, oui. On peut toucher du doigt la difficulté que ça peut représenter de se retrouver seul sur un bateau aussi performant. Il faut aussi être assez costaud, être assez aguerri pour pouvoir naviguer seul sur ce type de bateau. Donc en effet, on a fait un gros travail au niveau de la mobilité, on a beaucoup travaillé sur l'endurance aussi. La préparation alimentaire, donc bien évidemment, c'est un peu comme tout ce qui est course de l'extrême. Quelqu'un qui est stressé, c'est quelqu'un qui ne va pas avoir faim. Donc c'est vraiment important. Et la Lou, là-dessus, je pense, a été très novateur parce qu'il a... Il a bien investi tout ce qui était préparation diététique. Qu'est-ce qu'il faut manger? Quand est-ce qu'il faut manger? À se dire, voilà, même si j'ai pas faim, je sais qu'il faut que je mange tant de fois dans la journée, que je m'hydrate tant de fois, etc. Le fait que ce soit la mer, le vent, le froid, et encore une fois, quelque chose d'un point de vue stress psychologique comme ça, aussi intense, c'est les sports de l'extrême, c'est non comparable. On est quand même tout seul, quoi. L'idée, c'est de rendre la Lou autonome avec cet outil qu'est la sophrologie, comme un petit peu un entraînement physique. Ben là, on vient faire un entraînement mental. J'ai eu la chance d'avoir donc une préparation et d'avoir donc des personnes autour de moi donc, qui m'ont permis d'accéder à une préparation optimum. Donc voilà, je sais où je vais. Ce sera ma 4e route du Rhum. Après, il peut tout se passer, mais bon, globalement, on a tout fait pour être dans les meilleures conditions sur cette route du Rhum. La clé, c'est, je pense, la constance.
regarder toujours vers l'avant de façon à ce que ce soit toujours optimal.